Allô ? Votre président à l'appareil. Mon président ? Oui, votre président. Vous garderez ce numéro exclusivement pour cette mission. Une mission, vous dites ? Pourquoi moi ? Parce que j'ai une totale confiance vous concernant. Écoutez bien ce que je vais vous dire, vous participez à une mission d'État. Tenez-vous prêt. Avant l'intervention de mes hommes, le virement est fait. Bravo, grâce à vous, cette entreprise terroriste va être mise en échec. J'ai rien volé. J'appelle, je demande poliment de l'argent, on me l'envoie. J'ai quand même pas pu ouvrir toutes ces boîtes ultra sécurisées comme des conserves juste avec mon téléphone. Ou alors les escrocs, c'est ceux qui sont payés pour sécuriser les banques. À combien s'élève le solde du compte ? 400 millions d'euros. Est-ce que vous pensez tenir le coup ? Il retourne la tête comme un poulpe. Nous avons eu raison de nous adresser à vous. Rien à ta mère. Merci de votre collaboration. Si tu commences à me soupçonner en permanence, mon amour, je te fais confiance. Je suis sur un beau poisson. Pourquoi tu veux prendre un risque à la con, là, comme ça ? Qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive ? Ouvre les yeux, là. Les flics, là, ça tombe pas rond. Ça va mal finir. J'ai envie de... d'une vie normale. Non, faut passer à autre chose. Je sais faire quoi, d'autre ? Donne-moi une chance. Pour votre sécurité, moi, je pense que vous feriez mieux de rentrer avec moi en France. L'arme la plus dangereuse du monde. Tout ce que je veux, c'est arrêter un peu et vivre tranquille. C'est normal, non ? C'est le cerveau. On peut pas te laisser faire ça. Je veux savoir qui est votre complice. Celui qui décroche la tête.